Et yo les amis, me revoilà, Jordi aux vitrines. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vidéo que vous étiez au courant que j'allais vous parler prochainement d'un casque gamer. Un casque gamer que j'ai depuis 2 ans. Actuellement, je l'ai re-emballé dans son carton pour vous le présenter directement avec tout le matériel qu'aurait pu avoir dans ce style de casque. Et comme ça, au moins, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir en lien. J'ai pu trouver le style de casque qui est le moins cher sur Amazon. Alors vous inquiétez pas, je fais pas du placement de produit, mais j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui en vidéo parce que je pense que ça va vous faire plaisir au cas où si vous cherchez un bon casque. Voilà. Bon les amis, avant qu'on continue, vous me connaissez assez bien, il y aura cette petite pub qui va juste passer juste après ce petit mot. Et en pire, bah voilà. Allez, je vous dis à tout de suite les amis, et voilà, à tout de suite. Et me revoilà les amis directement. Alors voilà, déjà je vais vous présenter ce petit casque. Ce casque qui m'a coûté pendant... je les ai achetés, ça monte à 2 ans. Actuellement j'ai la totale de la facture qui monte à... Alors c'était quand la date déjà pour savoir? Parce que en plus... Je les ai achetés avec les chocolats montables. Ça a été en 2017. Alors ça fait plus, allez, 3 ans. Et ça fait 3 ans que j'ai ce casque. Et aujourd'hui, je vous présente le Kulon Alpha. Voilà, c'est un casque que je possède depuis 3 ans. Voilà. C'est un casque qui est assez sympa parce que comme vous êtes en train de voir, la moitié de YouTube pour faire pour que tout aille bien en couleur. Ce casque est de couleur noire et rouge. Je l'ai acheté parce que je voulais un truc qui présente bien avec mon clavier. Et Michi, que je vais vous représenter ça dans une autre vidéo directement. Et aujourd'hui, j'ai tout remis dedans, du début jusqu'à la fin, comme ça. Mais au pire, vous voyez tout ce qu'il y a. Déjà, le packaging est quand même assez spécial parce que regardez, attendez. Tada ! Ça se soulève, mais quand même assez bien. Donc, en vrai, là, c'est juste le petit carton. Ici, il y a une petite notice. Je ne sais pas quoi. C'est écrit peut-être en français. Ouais, avec toutes les langues, ouais, ben voilà, c'est pas un truc qui vous intéresse complètement. Mais là, comme vous voyez, le packaging est quand même assez spécial. C'est des trucs qui soulèvent. Là, il y a un anti-vol que j'ai pas franchement arraché parce que j'ai pas envie d'abîmer le carton. Avec la marque Hyper, voilà. Vraiment, si je le prononce mal, je pense que j'ai toujours des soucis à prononcer mal les objets. Et ensuite, on a quoi? Du plastique. Alors, moi, je suis le seul gars qui garde presque tout. Pour au cas où si je déménage, et comme peut-être la fin de l'année je vais déménager, ce sera quand même assez bien de tout garder. Alors vous inquiétez pas, vous allez voir que la housse elle est utilisée. Il faut que j'en rachète, il faut que je rachète une housse pour garder mes oreilles, parce que là comme vous êtes en train de voir, le voilà déjà le petit bébé. Voilà, c'est un casque qui est assez sympa. Parce que au début, si j'ai pris ce casque-là, c'était pas pour n'importe quoi, c'était pour utiliser le Avar Media Live Gamer HD2, ou c'était le gros Avar Media, et je voulais avoir un casque qui pouvait brancher les deux micros sur mon Avar Media, et c'est ça que j'ai commencé avec ce style de casque. Je pense que dans l'avenir, je vais utiliser un autre casque, mais celui-là, il fait toujours son taf, et voilà. C'est un casque que je respectais assez bien, la marque déjà, et le design, comme vous pouvez voir. Il y a de l'aluminium, pardon le mot. Et ici, vous pouvez voir que ça va à n'importe quelle taille. Quand vous mettez au-dessus d'une casquette, attendez, si je l'ai bien mis du bon côté, ouais, voilà, ça vous dérange pas. Après, c'est pas fini, hein, parce que je pense que du matériel, il nous offre un petit micro qui est un peu professionnel. Et genre, par exemple, je pourrais dire, et yo les amis, me voilà, Jordi aux vitrines, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne. Par exemple, c'est celui de modèle, mais ça fait quand même plaisir. Voilà, c'est pas un casque qui est quand même assez mauvais, il est quand même assez bien. Je pense qu'il y en a des mieux, mais pour moi, déjà, celui-là, à 99 € quand je l'ai acheté, c'était bien. Là, justement, je sais qu'il a baissé, il y a peut-être même des nouveaux modèles. Alors, si vous êtes des petits youtubeurs, ne mettez pas le budget. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Un petit sachet pour la poussière ou je sais pas quoi. Ensuite, on a un petit sac. Un petit sac au cas où si on veut emmener. Mais moi, je vous le déconseille quand même. Pourquoi? Parce que je connais un de mes amis qui a ramené dans son sac là. Bah, là, il s'est pété.
Voilà. Alors il faut peut-être éviter directement d'utiliser le sac. Moi, ce que je vous conseille, garder tout plastique et au pire après, quand vous allez l'avoir. Voilà. Alors ici, je pense que vous avez compris, il y avait deux trous, un trou pour le câble, voilà, qui était assez spécial, directement pour le casque audio. Et ensuite, on a plusieurs choses. Alors déjà, si vous avez un avant média, c'est lequel? Ah oui, mais tout en marché, c'est lequel. On a un petit autocollant qui permet pour mettre sur un de leurs boîtiers un stream. Alors moi, j'en ai pas du tout, mais voilà, leurs casques sont assez naturels. Ici, on a la petite notice qui est simple, hein, voilà, blanc sur une feuille blanche, écrit peut-être en chinois et toutes les langues. Là, il nous montre Xbox, PC, et si on veut brancher son tour et son manette. Voilà. Sauf que dans le produit, il ne précise pas les avoirs médias. Les avoirs médias qui peuvent être un peu importants pour ce sur le casque. Ben voilà. Là, par exemple, regardez, ici, j'ai un câble qui me permet de brancher avec comme une rallonge. Ici, alors attendez, ici, je vois bien. Ce côté-là, c'est pour le casque audio et là, c'est pour le micro. Sauf qu'en vrai, ben voilà, c'est le vert pour le micro et le rouge pour le casque audio. Et comme ça, au moins, ben, je pense que vous le savez aussi. Mais voilà, c'est vrai que c'est le style de casque qu'il me fallait avant. Et là, maintenant, c'est plus le style de casque, à part si je pourrais changer prochainement, je serais peut-être pas fou, pour le moment. S'il marche plus, oui, je changerai. Là, il fonctionne toujours et je pense que je vais pas dépenser plus de sous sur n'importe quoi. Là, déjà, ces prochains jours, les amis, j'ai comme ça au moins vous êtes bien au courant, je prévois de tester un nouveau truc. Il y aura un petit sondage qui s'affichera quelque part ici. Et je voudrais savoir si vous préférez que je fasse des défis challenge sur des burger camping, genre je mange 50 burgers et tout, ou est-ce que vous préférez que je vous présente quelques restaurants fast-food assez bons que je peux vous proposer pour vous quand vous mangez à l'extérieur. Voilà. Voilà, ce serait un petit challenge. Comme Michou, je pense que vous connaissez peut-être un peu certains, c'est que il présente des. Il a fait un affrontement avec Thibaut Henchel. Voilà. Et je voulais savoir si vous voulez qu'on fasse pareil. Voilà. Moi, franchement, je suis pas con, mais j'aimerais bien en vrai tester quelque chose d'autre qui peut être assez sympa pour la chaîne. J'ai envie de m'améliorer largement. C'est quand même maintenant, vous avez vu ma dernière vidéo qui date d'hier, que j'étais en live. Et actuellement, je pense que maintenant, je vais streamer un peu sur Twitch. Je pense que la meilleure solution maintenant pour vous présenter des gameplays ou sur des jeux vidéo, il faut que je stream sur Twitch pour vous télécharger sur mon PC et il faut que je fasse un petit montage sur YouTube. Et je pense que prochainement, je vais m'acheter un nouveau disque dur parce que j'ai pas trop envie que le disque dur de mon PC se blinde. Alors, je vais prendre un mastoc. Et de l'autre côté, je vais peut-être vous proposer actuellement des vidéos sur du jeu vidéo, mais peut-être pas de live, à part sur Twitch. Si vous me suivez pas déjà, comme ça au moins vous êtes au courant. Si vous me suivez pas sur Instagram, voilà, c'est à ce moment-là où vous devez me suivre. Ça va s'afficher juste là. Et le but, ce serait que vous venez me suivre. Pourquoi? Parce que comme ça, si je suis en live sur Twitch, vous allez dire, tiens, j'aurais dit, on va aller le voir en live sur Twitch. Et comme ça, peut-être, je pourrai répondre aux commentaires que vous me proposerez sur Twitch et que je vous ferai live réduit sur YouTube. Et là, notamment, je sais que l'on vient de dépasser les 80 abonnés. Voilà, il y a quelqu'un qui s'est abonné, alors je peux le remercier et je te souhaite bienvenue sur ma chaîne. Et voilà, au pire, n'hésite pas à voir toutes mes autres vidéos. Et ça, voilà. Bon, les amis, moi, ça sera tout pour cette petite vidéo. Merci de m'avoir suivi pour ce petit moment de détente avec vous, voilà, pour vous parler d'un cadre. J'ai pas tellement de choses à dire parce qu'en même temps, je suis pas quelqu'un qui parle trop de produits high-tech sur ma chaîne. Mais voilà, après, je pense qu'il y aura un lien pour vous le procurer. Et si vous voulez l'acheter, il y aura tous les détails. Là, moi, pour moi, je sais que ce sont le cadre, par exemple, PC, PS4, Xbox One, Mac, mobile, Nintendo Switch. Et VR, voilà, VR. Ah ouais, ah oui, je comprends le VR comme le web. Bon voilà les amis. Bon, je vous fais des bisous à tous. N'hésitez pas à liker toutes mes vidéos ou de vous abonner si vous êtes nouveau. Et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, à tous.